Coucou les filles et les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien moi. Coucou les filles et les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc là les enfants, aujourd'hui on est là pour un haul Shein. Donc ce sont les cadeaux de Bibi qu'elle a commandé pour son anniversaire. Donc c'est-à-dire qu'elle a reçu beaucoup d'argent et moi je lui ai dit, tu ne peux pas commander des cadeaux de la fin, des vêtements avec tout l'argent, donc tu vas choisir une somme. Donc elle a choisi 100 € et elle a commandé des trucs chez Shein. Et le reste des sous, comme on dit, ils doivent apprendre à mettre des sous sous leur compte, ok? Parce que là, il n'y a pas écrit la croix rouge ni sous mon front, ni sur le front des invités. Même si c'est pour acheter des cadeaux, mais il faut acheter des cadeaux entre parenthèses utiles, ok? Là, c'est la maman qui galère qui parle, ok? Allez, go! Donc, on va commencer par le premier article de Bibi. Donc, c'est une paire de chaussures. Donc, voilà. Donc, au moment où je vous montre le colis, Lorraine n'a pas encore vu son colis. Parce que Lorraine n'est pas là. OK? Donc, elle a pris une paire de chaussures. Ce sont des sandales, comme ceci. OK? Donc, les enfants, il va falloir que je prenne les prix sous Shein. Regardez. Donc, ils sont sympas. Ils sont, voilà, ils sont pas très légers. Ils sont moyen lourd. Et... je ne l'ai pas essayé puisque ce n'est pas ma pointure et Lorraine va me tuer si je mets ses chaussures dans mes pieds. Donc voilà, donc je le trouve joli. Et pour concernant le prix, je ne sais pas. Donc je mettrai les prix aussi en haut pour vous et vous direz si vous trouvez ça cher ou pas. Là, ça sera votre choix. Ensuite, je commence par ce que je trouve devant moi. Elle a commandé un sac pour les enfants. Voici le sac. Elle est comme ceci. Donc, visuellement, le sac, il est joli. Donc voilà. Il est joli, c'est un sac. Il est beau. Donc voilà. Une seule chose que j'aime pas, moi personnellement, je n'aime pas la brandouillère. Voilà. Sac pour aller à la campagne. Regardez. Regardez, c'est du tissu. C'est pas beau ça. Donc je n'aime pas ça. Mais le sac en elle-même est bien. Donc je pense que Bibi pourra prendre un autre anse pour mettre dessus. Mais l'anse, vraiment, c'est zéro. Voilà, 000. Donc, elle va mettre son petit sac comme ça. Ouais, on n'a même pas assez de bras pour mettre. Bon, vous voyez pour vous. Donc, voilà, son sac, elle va le porter comme ceci. Sinon, elle prendra les anses d'un autre sac. C'est mon avis. Hein. Moi, j'aime pas l'anse du tout. Mais la jeunesse, c'est pas comme ça qu'ils portent leur sac. Ensuite, donc, avec le truc, on a utilisé n'oubliez pas, allez sous la chaîne des youtubeuses pour prendre leur code promo pour avoir moins 15, moins 10, etc. etc. Shein, la livraison pour 19 €. Si tu arrives à 19 €, 29 €, c'est 2,99 €. Il faut vraiment les frais de port se changent selon la quantité de produits que tu prends, selon la somme. Je vais finir par y arriver. Ensuite, toujours dans les mastoches, là, dans les totoches, elle a pris une paire de ceintures comme ceci. Donc voilà, simple. Pareil, je mettrai les prix aussi pour vous, les enfants. Donc si c'est trop petit, trop grand pour elle, elle mettra, on va le percer puisque j'ai un truc spécial pour ça. Donc voilà. Donc j'aurais pu mettre les prix devant chaque truc, mais là, j'ai pas eu le temps du tout d'aller. Et ben, elle a commandé ça. Et quand Anou, il a vu ça, il a dit, mais elle va pas mettre ça, Lorraine? Il me dit, mais elle ne va pas mettre ça. Ça. Donc, au début, moi, je croyais que c'était un bandeau. Mais ce n'est pas un bandeau, c'est une ceinture. Donc, c'est une ceinture. Donc, je dis là, nous, ce n'est pas possible. Lorraine n'aurait pas commandé un truc comme ça. Surtout, c'est ouvert devant. Donc, voilà. Donc, comme on dit, non à nous, Lorraine ne va pas mettre ça. Mais c'est une ceinture. Et vous allez voir pourquoi elle a acheté sa ceinture. OK? Elle a tout calculé, la jeune. Allez, elle a pris ce short. Qualité top, les filles. Franchement, élastique. Hein? Très élastique. Donc, mon portable est en train de sonner. Regardez, très élastique. Et elle a pris taille. Bref, en général, Lorraine prend toujours les XS ou S. Mais là, je suis sûre qu'elle a pris XS. Et je pense que ça va aller. Je sais que j'ai pas envie que ça soit trop serré pour elle, mais bon, voilà. Ensuite,
Je prends ceci. Là, il a pris un bandeau. J'ai dit à nous, c'est ça un bandeau. Donc voilà. Donc ça, c'est un bandeau. Donc, quand vos enfants grandissent et puis commencent à s'habiller comme ça, vous avez les yeux qui tournent à l'envers. Donc, comme je dis, si mamie te voit, mamie va faire une crise cardiaque. Donc voilà, donc elle a pris ça en noir. Donc toujours, je vous mettrai les prix à côté, les enfants, ça, je vous dis. Ensuite, vous avez celui-là en blanc, ok? Vous avez vu, en blanc. La jupe, elle est belle, hein? Elle a pris cette jupe-là, donc elle calcule toujours ses trucs bien. Moi, je ne commande pas des jupes parce que j'ai peur que... Là, tu vois, c'est pas élastique. Donc, si c'est pas bon, si c'est trop petit, elle, c'est mort. Si c'est trop grand aussi, c'est mort. Donc, ça va pas plus loin. Donc, je pense que ça va aller à Lorraine. Parce qu'elle est pas... Elle a les reins assez petits. Ensuite, faut pas que j'oublie, hein. Là, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a au moins pour 100 euros hein, dans les produits. Vous avez ceci. Qui est sympa, mais élastique, mais transparent, parce que je vais voir si vous arrivez à voir derrière. Donc, vous voyez. Là, je vois la Red Night, mais c'est normal. Hein. Voilà. Moi, je trouve, voilà. Vous voyez, derrière moi, voilà, on voit le blanc derrière. Donc, bon, c'est transparent, mais bon, voilà, on va dire que ça va. C'est pas des trucs qui coûtent la peau des fesses. Donc, faut pas chercher midi à 14h si tu fais les trucs à 2 euros ou à 4 euros. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Ensuite, je lui avais dit de prendre un cycliste. C'est transparent, mais ça, on s'en fiche. Je vais vous montrer pourquoi il fallait qu'elle prenne un cycliste. OK? Donc, on va vous montrer. Elle a commandé ceci. Madame, elle a bien fait ses courses. Hein. J'aime bien... Enfin, j'aime bien. J'aime pas les vêtements avec les manches longues, mais là... Elle a commandé cette chemise, comme ceci, très longue, vous avez vu, pour faire une robe comme les jeunes font. Et en dessous de ça, je lui ai dit, je veux qu'elle mette un cycliste, parce que ça peut être court et puis transparent, ok? Ensuite, elle va mettre le cycliste avec et la ceinture que je vous ai montrée. Donc, je pense que c'est ça qu'elle veut faire comme mode. Ensuite, ça c'est beau, j'adore. Elle a commandé ça, une sorte de chemise robe, regardez, c'est joli, hein? Franchement, manche à moitié bouffante ici, un petit peu là, vous voyez, c'est assez large, derrière, ça c'est le derrière, ah non my god, oui c'est ça, ça c'est derrière, c'est ouvert derrière, et là c'est en mode robe, franchement les filles, c'est joli, elle a pris XS, ok. Il y a les lacets pour tenir devant. Franchement, elle est bien. Donc voilà, ça se ferme ici. Donc elle a du goût, la petite. Hein. Et c'est assez... Bon, je trouve que ça ne va pas faire court sur elle. Mais je lui dirais quand même de mettre son cycliste en dessous. Parce que je pense que c'est du blanc comme ça, ça peut être transparent. Donc je veux qu'elle mette son cycliste en dessous. Même si on ne voit pas le cycliste, on s'en fout. OK? Donc voilà les enfants. Donc... C'est tout pour tout ce qui est aux vêtements. Elle a commandé ceci aussi. C'est trop beau. Regardez la couleur. Franchement, c'est trop beau. Comme ça à l'intérieur. Donc, je mettrai aussi les prix dedans, là aussi, là-dedans. Oh my God, il y a Nanou qui m'appelle. Nanou, je ne peux pas te répondre, je fais une vidéo. Oh my goodness. Donc, voilà, je continue puisque j'ai répondu par erreur. Au lieu d'appuyer sur éliminer, j'ai répondu à Nanou. Allez, bon. Oui, on continue les enfants. Donc, pour moi, dans cette commande, j'ai commandé ceci. Bon, je sais, c'était pas cher. Donc, c'est un bonnet en satin. Mais ce bonnet en satin, à l'intérieur, elle est en plastique. OK? Donc, il est fait pour aller prendre ton bain. Mais en même temps, pour ceux qui font des bains d'huile et tout ça, c'est super pour... Voilà, t'as compris? Allez. C'était pas cher du tout, les enfants. Donc, je suis contente. On verra bien. Je l'ai pas encore essayé. Je le lave avant de l'essayer. Ensuite, côté bijoux, donc tout ce que Lorraine a commandé, franchement, les enfants, je ne sais pas ce que moi, j'ai commandé, ce que Lorraine a commandé. Donc, ça, c'est Lorraine.
Donc, je mettrai une photo pour vous à côté, comme ça vous verrez. Non, je la mets là et je mettrai une photo pour vous à côté. OK? Ensuite, elle a acheté ceci aussi. C'est tout petit. Je mettrai une photo, comme ça vous verrez bien, puisque j'ai pris des photos. Ensuite, vous avez ceci. Là, il y en a sept. Il y a sept colliers dedans. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai commandé, si c'est Lorraine qui l'a commandé. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs dedans. Franchement, ça vaut le coup. J'aurais préféré que ce soit moi qui l'ai commandé que Lorraine. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer puisque j'ai fait la photo pour vous. Donc, vous verrez la photo à côté. Ensuite, vous avez ce. Oh my God! J'ai tout mélangé. Oh là là là. Donc, et à celui-là, ça, le petit papillon fait partie de l'autre. Je me suis trompée. Le au nez aussi fait partie de là. Et celui-là, c'est un seul collier. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai commandé celui-là ou si c'est Lorraine qui l'a commandé. Donc, voilà. Donc, celui-là, c'est un seul collier. Et pareil, je vous mettrai une photo à côté. Donc, j'aurais préféré qu'il soit détaché, mais là, il n'est pas détaché. Il est comme ceci. Donc, voilà. Donc, je verrai avec Bibi. Ensuite, j'ai ce collier-là aussi. Je sais, j'ai commandé deux colliers. Donc, je pense que celui-là, c'est moi. Pareil, je vous montrerai le bijou porté. Donc, c'est des bijoux qui ne sont pas chers, mais ils ne sont pas solides non plus. Donc, il faut te dire que ce n'est pas parce que tu achètes un truc à 2 euros qui doit casser. Mais en fin de compte, je me te dis, tu l'as acheté 2 euros, il ne faut pas t'attendre à ce que ça soit solide. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai fait tout le tour juste pour te dire que c'est pas. Tu l'as payé 2 euros, il faut t'attendre à ce que le collier peut être solide ou pas solide. Donc là, c'est la petite chaînette qui est derrière qui est sortie. Mais c'est pas grave puisque moi, je vais l'attacher ici. Comme ceci. Comme ça, au moins, tu es sûr que c'est même pas la peine. Il s'est juste ouvert. C'est même pas la peine que je mette ça. C'est bon. Mais les enfants, il faut vraiment se dire dans la vie, si tu veux avoir des trucs solides, achète-les cher. Et si tu l'achètes cher et il n'est pas solide, tu vas et tu te demandes à te faire rembourser. Parce que là, à ce prix-là, je ne vais pas renvoyer le produit. Voilà quoi, ce serait un peu. Donc voilà les enfants, c'est tout pour la vidéo. Donc je pense qu'elle n'est pas trop longue. Donc je pense que je vous mettrai après ou avant. Oh my goodness. Je ne sais pas. Bon, la news de Bibi, soit je vous le mets après, ou soit je vous le mets avant, ou soit je vous le mets dans une autre vidéo. Comme ça, si je me plante, au moins j'aurai tout dit. OK?
pas de liker, partager, de commenter et d'activer la petite cloche. Et dites-moi en commentaire si il y a des produits là-dedans que vous avez acheté qui vous plaît. Et est-ce que je vais vous mettre les liens en barre d'infos? Je ne sais pas. On va voir. Ok les enfants, gros bisous. Kéméren pas molly. À plus tard. Tenez bon, le Covid est là, mais on va lui marcher dessus. Bye.